Cette vidéo est en collaboration avec le liquide vaisselle. Non, je déconne. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous l'avez vu, la vraie vie, ma vaisselle de hier soir n'était pas faite. Donc je viens de la faire. Par contre, il y a un truc que je laisse jamais traîner trop longtemps, c'est le lit des fées. Je trouve que pour bien commencer la journée et mieux se coucher le soir, il faut faire son lit dès le matin et aérer la pièce. Donc, en parenthèse, elle a été aérée toute la nuit. Coupure, déplacement dans ce vlog, vous verrez sur ma to-do list qu'il s'agit vraiment d'une to-do list de départ en vacances. Et dans cette to-do list, il faut préparer la voiture qui nous emmènera en vacances. Un monsieur est dans la voiture qui nous emmène en vacances et pour pas qu'il patiente plusieurs heures le temps qu'on change les pneus de la voiture, eh bien je vais le chercher, monsieur. Enfin, je vais le ramener à la maison. On a plein de choses à faire de ce style-là. Je fais donc ce déplacement et puis je vous reprends après. Nous sommes de retour à la maison, finalement, après dépôt d'une voiture au garage. On a tracé à Sainte, j'avais des courses à faire à Leclerc, au centre culturel de Leclerc. Je voulais quelques livres à lire aux enfants, en particulier à ma fille, puisque mon fils, son activité principale, c'est de lire des livres, des livres, des livres. On a du mal parfois à le faire sortir d'un bouquin, vous voyez. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé pour eux. Avant de partir, plein de choses à faire. Une chose que j'aimerais bien arriver à faire un jour, mais on part toujours à l'arrache en vacances. Pour autant, quand je fais les valises, j'oublie pas grand chose, mais je n'arrive pas à partir avec une maison rangée, nickel, et puis quand je rentre de vacances, arriver dans une maison épurée et tout ça, il y a toujours plein de courses un peu qui précèdent les vacances pour acheter des choses qui manquent, je vous en parlerai tout à l'heure d'ailleurs. Finalement, c'est toujours l'horreur quand on rentre de vacances, en plus des choses qu'on ramène et tout, de le linge sale à faire, les lessives, les valises à ranger et tout. Parmi les trucs que j'ai à faire, c'est que j'ai de la rhubarbe à passer en confiture. Là, j'ai fait pas mal de framboises. Il y a aussi les mûriers qui poussent à la maison, qui sont là. J'ai fait quelques confitures déjà. Et là aussi, on est débordé de courgettes. Donc, vous allez venir avec moi dans la cuisine. On va faire une petite tarte à la courgette assez rapidement pour le déjeuner. Et après, il faudra que je fasse ma manucure et que je me charge de l'épilation de mes jambes ce soir pour être prête pour partir en vacances. Monsieur est allé au potager me chercher des courgettes comme ça, de petite taille, de façon à faire des rondelles sans trop de pépins, des rondelles assez fines, puisque vous voyez que en réserve j'ai des grosses courgettes comme ça, donc pour faire de la soupe c'est bien. Je sais pas comment je vais traiter ça avant de partir. Pour ce soir, je ferai un gratin de courgettes avec ces grosses courgettes là. Ça paraît rien, mais je sèche un peu les courgettes comme ça, puisque dès qu'on va les saler, elles vont dégorger énormément d'eau. Je vais pas les pré-cuire si je veux pas que ma pâte feuilletée soit hyper humide. Toujours pour ce souci d'eau, j'ai broyé du pain de mie que je viens mettre partout où je vais mettre des courgettes. Et contrairement à la farine, ça va faire un petit goût, ça va faire comme une petite pâte en fait dessous. Ça va permettre à ma pâte feuilletée de feuilleter, ça va permettre d'absorber l'eau des courgettes. Là on va pas mal saler, c'est ce qui va faire que ça va dégorger beaucoup d'eau, mais c'est ce qui va faire que c'est bon, hein, parce que la courgette c'est pas le légume qui a le plus de goût. Ça a du goût, hein, mais bon quand même. On va ajouter un peu d'ail et de persil. J'ai pas mis de fromage, mais je mettrai une burrata. Et j'ai ce petit reste de crème de hier soir, donc je vais venir le mettre un peu comme ça. Je mets au four, je pense, 30 minutes à 180 degrés. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive aussi, c'est pas mal. Et j'ajoute des pignons de pain pour les 5 dernières minutes de cuisson. On est un peu en mode champ de bataille, j'ai gardé les cœurs de courgettes avec pépins pour mes poules. J'ai mon four qui est en route, ma courgette est pré-cuite avec un oignon. J'aime bien le mélange courgette-oignon, pas seulement ail-persil, là on est sur oignon-persil. J'ai fait une béchamel, je vais mettre ça
à gratiner avec de l'emmental râpé dessus. Et pour des trucs comme ça, j'avoue, je trouve ça hyper pratique que la poêle passe au four en fait. Je vais juste éclipser le manche quand je mettrai ça au four. Dîner, c'est fait. Confiture de rhubarbe, c'est fait. Je vais m'occuper de mes ongles de pied et mes ongles de main. Mes ongles de main, ça fait un moment que je les ai pas manucurés, que j'ai pas appliqué de vernis dessus. Et mes ongles de pied, bah le vernis est bon à changer. Je vais réappliquer la même couleur, ou du moins le même style de couleur. J'ai deux corail chez Manucuriste qui me plaisent beaucoup. Alors ils ont sorti toute une collection de bleus que je vais vous montrer tout de suite parce qu'on m'en a envoyé quelques-uns, mais je pense que je vais rester sur des corails parce que c'est ma couleur fétiche pour l'été, autant sur les ongles de pied que sur les ongles de main, et que je sois habillée en n'importe quelle couleur, je trouve que ça matche toujours. Alors moi je suis cette personne qui peut tout à fait emmener son petit kit de vernis semi-permanent, la lampe et tout, donc j'ai la lampe compacte. Donc parfait pour emmener en voyage. Je peux tout à fait emmener ça en vacances parce que pour moi, faire sa manucure, c'est vraiment synonyme de je prends soin de moi, je prends du temps pour moi. Donc, je vais commencer par enlever le vernis des pieds parce que si je fais mes mains, voilà le truc qui peut arriver quand je réfléchis pas, vous voyez, ça m'est arrivé une fois de faire mes mains et puis après je devais enlever le vernis des pieds et puis on manipule le dissolvant, vous voyez, puis on flingue toute sa manucure. Cette partie de la vidéo est en partenariat avec Manucuriste et je les remercie beaucoup pour leur confiance. Je vais vous montrer mon petit tiroir qui se situe dans un caisson de mon bureau parce que c'est souvent là que je fais ma manucure. Voilà l'état des lieux, c'est plus ou moins bien rangé, on est d'accord. Ça, c'est la lampe pro, ma favorite, parce que on peut faire sa manucure ou sa pose de vernis à ongles sur les pieds en 20 minutes. La lampe compacte, très pratique parce que les pattes se replient, elle est très pratique pour emmener en voyage dans la petite trousse prévue à cet effet. J'ai ce corail qui est canon, c'est le Red Coral, et sinon j'ai le Coral Reef qui fait partie de mes favoris, qui est un peu plus orangé. Là, sur les pieds, j'ai le vernis du coup Red Coral, donc je pense que je vais repasser au Coral Reef qui est vraiment mon favori. Et je sais que à chaque fois que j'ai pu le mettre, celui-ci, vous me demandez mais qu'est-ce que tu portes sur les ongles? Eh bien, c'est souvent celui-ci, Coral Reef de chez Manucuriste. Je vais vous montrer quand même les teintes bleues que j'ai reçues parce qu'elles sont vraiment de toute beauté. Il y a le Riviera qui est un joli bleu ciel qui peut tirer un peu vers le... C'est pas turquoise, hein, c'est un joli bleu ciel. J'ai celui-ci, c'est un magnifique bleu. J'ai pas mal de tenues bleu roi, des tenues en jean pour l'été et du coup il va finir sur mes ongles plusieurs fois dans l'été. Celui-ci c'est le Midnight. Pour une touche assez fun, vous pouvez rajouter des paillettes, voire faire une seule couche de paillettes. C'est le Mermaid. Pour enlever mon vernis sur les pieds, mais aussi pour dégraisser mes ongles avant l'application du semi-permanent, je vais utiliser ce dissolvant doux Green Flash qui hydrate et apaise les ongles, il flingue franchement pas les ongles, il est formulé à 96,5% d'ingrédients biosourcés, c'est vraiment la signature de la marque, on est sur une marque green. Je mets un petit fond dans une bolinette et je trempe mes orteils dedans, une pellicule de vernis qui va s'enlever des ongles. Autre raison pour laquelle j'adore ces vernis à ongles, c'est que cette technique de vernis semi-permanent ne demande pas à pousser la surface de l'ongle pour que la couleur adhère. Vous allez appliquer cette base. C'est très facile de se repérer puisqu'il y a les numéros des étapes sur les flacons. Et puis quand vous recevez votre lampe, c'est très bien expliqué. Vous allez appliquer cette base en couche fine. Ce que j'apprécie aussi, c'est que cette lampe permet de loger toute la surface de la main et tous les ongles des pieds en fait. Pour les mains, vous n'êtes pas obligé de faire le pouce à part et les quatre autres doigts à part. Pas du tout. Il faut essayer de faire des couches très fines. C'est un peu plus compliqué sur les pieds, mais bizarrement... Même en portant des sandales, je trouve que les ongles des pieds sont moins maltraités que les ongles des mains et que du coup, le vernis tient quand même plus longtemps. Cette base pose 60 secondes sous la lampe. Et pour gagner du temps, bah, j'en profite pour appliquer la base sur mon autre pied. Et pendant les 60 secondes de ce pied-là, je vais pouvoir passer à la couleur. Donc comme je disais, j'ai choisi la couleur Coral Reef. La couleur pose 60 secondes et ensuite, j'applique la seconde couche de couleur. Sur mon pied droit, je peux appliquer déjà le top coat, qui est l'étape, le troisième flacon à utiliser, en tout cas c'est la quatrième couche. Et cette couche-là, on va les laisser poser 2 minutes sous la lampe.
C'est parti pour les mains. Base. On n'oublie pas de border l'ongle. Hop. La base pose une minute sous la lampe. Deuxième couche, il s'agit de la première couche de couleur. Le secret de la réussite, normalement, c'est de faire des couches très fines. Et ce qui n'est pas forcément évident. Mais si vous raclez bien votre pinceau sur le bord, il y a moyen de pas trop en mettre. Il faut faire attention de bien border l'ongle, c'est-à-dire de faire la tranche de l'ongle pour assurer une meilleure tenue du vernis. Deuxième couche qui, elle aussi, va sécher une minute sous la lampe. Dernière étape, avec le flacon numéro 3, je vais appliquer une couche de top coat. Là encore une fois, on fait attention de mettre une couche fine et de bien border l'ongle, et ça va sécher 2 minutes sous la lampe. Pour ce qui est de la lampe pro. C'est quand même cool, une manucure bien faite. Ah, j'adore. Et cette couleur, franchement, j'en suis absolument dingue. En tout cas, je vous mets le lien de chez Manucuriste en barre d'informations et bien sûr, vous avez un code promo. Vous avez moins 15% sur tout le site avec le code ManucuristeJU. Je vous donne rendez-vous dans la barre d'informations. Je vous le note ici, le code promo, pour que vous ne le loupiez pas. Moins 15%, ça vous fait une belle promotion et aussi de quoi réapprovisionner en nouvelles teintes pour l'été. Je vous montre ce qu'on a acheté ce matin aux courses, donc pas les courses alimentaires, mais les petits trucs que j'ai trouvés pour emporter en vacances. Valise des enfants, déjà bien avancée, et ça, sur le côté, c'est pour nous. J'ai pris ça chez Leclerc ce matin. Ce sont des chaussures de plage. J'avais des Birkenstock à l'époque, comme ça. D'ailleurs, vous m'avez vu en Birkenstock, modèle Madrid. Hein. Et là, c'est la marque Tissaya, donc je pense que pour la version plage, ça fera très bien l'affaire d'avoir un modèle de chez Leclerc. Donc ça, version 43 pour monsieur, version 40 pour moi, de façon à avoir des chaussures-chaussons, en fait, pour les lieux de vacances où on va arriver. C'était 6,95€. Chez Leclerc, donc petit prix. Il y a des paires de chaussettes pour monsieur et mon fils, mais surtout, il y a des serviettes microfibres comme ça que je dois m'empresser de laver, de passer en machine, et comme ce sont les mêmes couleurs, ça va très bien se laver ensemble. Je suis ravie parce que j'ai des serviettes microfibres comme ça, je les prends tout le temps pour partir en vacances parce que c'est compact dans les valises et pour les déplacements à la piscine de là où on va loger ou même à la plage si on va en bord de plage, eh bien c'est pratique, ça prend peu de place pour les valises et quand on voyage à 4, on veut restreindre au maximum les valises qu'on emporte. Et j'étais ravie de trouver une couleur ivoire comme ça avec cette bordure beige. Vous connaissez ma passion pour le beige et là, bah, du coup, je suis ravie d'avoir trouvé ce coloris-là parce que j'avais des serviettes Nabaji de chez Decathlon, mais bleu turquoise, bleu marine, et c'est pas franchement mes couleurs favorites. Donc là, j'en ai sélectionné 4 version XL, donc on est sur du 1m10 x 1m75, et j'ai pris celle-ci aussi qui est plus moelleuse et pour la salle de bain après la douche, c'est agréable d'avoir quelque chose qui absorbe encore davantage. En tout cas, ces serviettes, elles sont cool aussi parce qu'elles sèchent vite. Donc, il faut absolument que je les lave rapidement pour partir en vacances. Et aussi, dans le tambour, je vais mettre ce drap. On n'a pas de drap, en fait. Nous, on n'a qu'une housse de couette. Et j'ai pas envie d'emmener les duvets parce qu'il va faire très chaud là où on va. Et emmener qu'un drap pour nous, en plus du drap housse de matelas, pour nous couvrir, parce que j'aime bien avoir quelque chose sur moi. Je ne dors pas sans rien sur moi quand même, même si j'ai chaud. Et du coup, j'ai acheté un grand drap, qui n'est pas une housse de couette, que je vais passer en machine directement avec tout ça. Je ne sais plus si je l'ai précisé, mais on s'en va passer quelques jours chez la famille avant notre destination de vacances, et du coup je voulais de la lecture à lire, en particulier à ma fille, même si mon fils lit tout seul, et du coup je voulais sélectionner des magazines pour mon fils qui soient instructifs avec des paragraphes à lire, un peu comme des romans, et qui soient pas de la BD, comme des Mickey Magazine par exemple. Donc je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné à lire à mes enfants et pour mon fils. On a sélectionné un exemplaire de la Bibliothèque Rose de Bienvenue chez les Loud. C'est un dessin animé qu'ils regardent quand on est en vacances, puisque mes enfants ne regardent pas les dessins animés sur les chaînes télé, ils regardent uniquement les dessins animés sur les chaînes type Netflix, sur Disney+, sur Amazon Prime parfois. Il a vu déjà ce dessin animé, je crois, sur Gulli lorsqu'on est parti en vacances. Comme il aime bien cette histoire, ça le fait sourire, eh bien on lui a pris ça pour qu'il lise un petit roman qui l'intéresse. D'un point de vue plus
culturel. On lui a pris ce Tout comprendre Junior, c'est un hors-série sur l'Égypte qui a l'air vraiment très bien parce qu'il y a une partie BD un peu distrayante, il y a quelques jeux et il y a vraiment une partie très instructive. Il y a une partie qui concerne l'exposition qui a lieu à Paris en ce moment, je crois. Deuxième magazine hors-série culturel, c'est la collection Théophile pour que les enfants s'émerveillent. Alors c'est une collection que je connaissais pas et là c'est sur le soleil et la lune. C'est un truc qui passionne mon fils depuis des années. Et il y a une BD sur les schtroumpfs, il y a un concours où il peut dessiner sa BD, il y a quelques jeux, il y a des coloriages, il y a des jeux comme ça avec des points reliés, des choses comme ça, des mots croisés. Pour avoir feuilleté en fait le magazine, je le trouvais très bien fait. C'est vraiment des petites portions de texte à lire qui apprennent l'essentiel. Avec voilà, cette BD qui est très distrayante, je trouve. Donc, coup de cœur pour ça. Ce ne sont pas des magazines donnés, mais ce sont des magazines qui se gardent quand même. Celui-ci coûtait 8,90€. Celui-ci était un peu dans les mêmes tarifs, je crois, dans 5,95€. Celui-ci, mais la couverture est moins rigide. Et pour ma fille, à lire le soir, mais mon fils écoutera ces histoires puisqu'il ne les connaît pas et il aime quand même quand je continue de lire des histoires. Pas de panique, Belette, aux éditions Les Petits Mijades. J'ai recherché plutôt dans l'école des loisirs parce que ces petits formats, c'est typique école des loisirs et puis j'ai pas trouvé de choses qu'on n'avait pas ou qu'on n'avait jamais lues. Je cherchais avec pas mal de textes que le temps de l'histoire dure un petit peu, puisque ma fille, si c'est trop court, elle se lasse, et mon fils encore plus, quoi. C'est une histoire d'amitié, où l'un apprend à l'autre à voir le bon côté des choses. Donc j'ai trouvé ça très mignon comme histoire. Une histoire de chat, une histoire de capitaine, une histoire de bateau, une histoire en mer, avec une histoire de trésor et d'aventure. Je pense que ça va faire l'unanimité, et beaucoup de textes. Beaucoup de textes à lire, une histoire qui va durer. Et quand on veut beaucoup de textes à lire, quoi de mieux qu'un Martine ? Plein de bienveillance, plein de choses terre à terre dans les histoires de Martine. J'en ai plein des très vieux à la maison. Ça, c'est un exemplaire qui a été édité récemment. Martine protège la nature. On n'en a jamais trop des histoires sur le sujet pour sensibiliser les enfants. Donc là, on est sur une version beaucoup plus récente des Martines, mais ils sont pas mal. Il est temps pour moi de clôturer ce vlog, puisque j'ai récupéré mes enfants il y a déjà quelques heures, et on s'est lancé dans un cadeau pour les maîtresses. Alors un petit truc trois fois rien, je suis toujours partagée avec ça. Est-ce qu'il faut faire un cadeau? Est-ce que ça embête pas d'avoir plein de cadeaux qu'elles vont devoir jeter à un moment donné? Je leur ai fait faire un truc qui est très compact, parce que je suis pas pour offrir un truc à la maîtresse de la part des enfants et puis qu'en fait c'est le parent qui le fabrique, et c'est parfois souvent le cas de ce que j'ai pu observer. Je trouve que la signature n'est pas là si c'est pas l'enfant qui fabrique le cadeau. Donc je leur ai fait faire un petit marque-page. Si c'est sec avant que je monte cette vidéo, je vous montrerai le résultat, ça, c'est trois fois rien. Ils ont collé leur petite photo, donc je montrerai pas le truc en entier, mais c'est pour le geste, pour la petite signature, pour que la maîtresse ait un petit souvenir qu'elle peut glisser dans un livre. Parce que demain, c'est déjà leur dernier jour d'école. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre dans la zone de commentaires si vous avez des questions. Dites-moi si vous avez déjà testé les vernis semi-permanents manucuristes, si vous avez envie de tester. En tout cas, profitez du code promo parce que c'est un joli code. Je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ce vlog le matin. Bref, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.